On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale, une petite vidéo en plus. Hein. J'en fais maintenant, j'ai un peu plus de temps, du coup je fais des petites vidéos en plus, comme ça supplémentaires. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, alors vous allez me dire, Founé, t'avais dit que tu ferais pas de partenariat. C'est vrai, et je ne fais pas de partenariat avec des grosses boîtes en fait. J'ai fait un partenariat avec le tarot des 4 lunes parce que j'avais envie d'aider, parce que c'est un outil auto-édité, etc. machin. Et là j'ai refait un partenariat et c'est le deuxième, et il va y en avoir un troisième toujours avec Cécile Khalifa en fait. Mais ça je vous en parlerai la semaine prochaine lors de la question du lundi ou d'une vidéo mes lectures. Voilà, on va voir comment je peux caler ça. Parce qu'en fait, c'est sur un bouquin. Enfin bref, je vous en parlerai au moment venu. La semaine prochaine, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de... Pour ceux qui me suivent, même ici, je pense que j'avais fait un petit commentaire, un petit... Alors, je vais vous les montrer comme ça, parce qu'elle ne veut pas que je montre... Les étiquettes ne sont pas les bonnes. Donc, c'est de ceci dont je vous parle. Voilà, il s'agit de baume énergétique. Donc celui-ci, il s'appelle Baume Ouverture de Cœur, donc c'est le rose. Et je vous en parle en premier parce que c'est celui sur lequel j'ai le moins de choses à dire, parce que c'est celui, alors en plus au perculé, donc très très bien, ce ne sera pas le bon bouchon, d'accord? Je vous mettrai ici l'image du pot, en fait, que vous allez recevoir si jamais vous les commandez. Donc oui, oui, je les ai testés, on voit mes grosses traces de doigts dedans, voilà. Celui-ci, l'odeur est très florale. Ça me fait penser à la rose, au bois de rose, à choses comme ça. La texture, c'est des baumes. Hein. Ça me fait penser à une texture, pour ceux qui connaissent un petit peu, beurre de karité. Voilà. Quand il est un peu dur comme ça. Alors, ça pénètre hyper bien. Alors, c'est pas mon préféré, mais ça pénètre hyper bien, ça hydrate bien. Et celui-ci, il m'a fait un effet, c'est pour ça que c'est pas mon préféré. C'est que cette odeur, en fait, alors moi je les appliquais, là j'ai pas mis parce que j'ai mis du parfum, mais donc à mes poignets, l'intérieur des coudes, l'intérieur des genoux, le cœur, enfin la poitrine et le cou. Et celui-ci, en fait, il m'a fait un effet particulier, en fait, de nostalgie. À un moment où il fallait pas que je sois nostalgique, c'était pas le bon moment, en fait, hein. Clairement, j'ai été gentille alors que j'aurais pas dû, voilà, par nostalgie, par... Alors c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'instant, je l'ai testé plusieurs fois, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'était pas... Avec cette pleine lune qui m'est arrivée en pleine tronche, là, pleine lune du mois de novembre, comment vous dire, la pleine lune du 12 a été complexe, très compliquée pour moi. Ouais, c'est émotionnellement très compliqué en fait, ça fait remonter des trucs et c'était pas le moment en fait. Hein. Donc c'est pas mon préféré, mais par contre c'est sûr que si vous travaillez l'ouverture de cœur, c'est génial en méditation. Ça c'est pour les besoins de cette vidéo, pour les besoins du test, je me suis remise un petit peu à méditer, j'ai eu beaucoup 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 de mal. Et c'est vrai que, n'empêche que l'odeur, la préparation, vous voyez, voilà, et ça doit être idéal en Reiki, En tout ce qui est massage énergétique, etc. Ça doit être vraiment idéal. Si vous êtes praticien, franchement, je vous encourage à tester, parce que je pense que ça peut mettre la personne dans un état, rien que par la texture, par l'odeur, et on sent l'intention. Vous voyez, là, je l'ai mis sur ma main, je sens l'intention, en fait. Je me sens plus... En fait, ça me perturbe, parce que ça me... Peut-être parce que j'ai déjà le cœur... ça va paraître un petit peu... Mais je pense que j'ai déjà le cœur un peu assez ouvert et du coup je me sens toujours fragilisée en fait. Quand je mets ça, je me sens fragilisée en fait. Mais parce que peut-être que mon cœur est déjà, voilà, ou peut-être qu'au contraire, en fait, peut-être qu'au contraire.
Peut-être que je... Et ça, là, ça me vient, et c'est peut-être ça, en fait. Hein. Peut-être que j'ai pas... C'est pas le moment pour... Enfin, c'est pas le... la meilleure période de ma vie pour ça, en fait. Hein. Et du coup, je me sens fragilisée parce que je sens mes émotions... En fait, c'est que je sens mes émotions décuplées, et j'ai l'impression... Si vous êtes coupé de vos émotions, c'est l'idéal aussi, du coup. Je suis pas forcément coupée, mais j'ai l'impression que ça les multiplie, en fait. C'est étrange. Et... On sent vraiment l'intention mise dedans. Vraiment. C'est... Sinon, je vous le dirais, clairement. Voilà. Elle fait aussi des lingettes que je vous montre pas parce que clairement, je suis désolée Latifa, mais c'est des lingettes qu'on peut trouver partout, en fait. Hein. Et c'est sympa, le petit cadeau, en fait, supplémentaire. C'est vraiment la bonne intention est là. Ouais, Mais je les ai pas montrées parce que même si elles sont jolies, ça a vraiment de l'intérêt, en fait. Ça. Voilà. Les lingettes, c'est sympathique, mais c'est comme le petit bonbon au fond de la box, quoi. Vraiment, c'est pas... Voilà. Ensuite, donc, je vais vous parler de l'ancrage. C'est... De ces deux-là, c'est mon préféré. Alors, les deux qui restent sont verts, mais celui-ci est vert un peu plus foncé. Et celui-ci, j'adore son odeur. Mais alors, c'est vert. J'adore tout ce qui est vert, en fait. J'adore toutes les odeurs un peu vertes. Alors, comment... Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça a une odeur très... Ouais, très verte. Je sais pas trop... un peu citronné, un petit peu. Mais léger, léger, léger. C'est pas agressif, quoi. C'est pas... Parce que moi, le citron, voilà... Mais encore une fois, celui-ci, la texture, elle est, voilà, sur le doigt, quand on le met, c'est pas flagrant, on va dire. Par contre, ça hydrate vraiment bien, encore une fois. Je suis en train de faire un mélange de ouf. Non, franchement, ça hydrate vraiment bien. Et celui-ci, alors, le plus important, c'est mon ressenti. Alors, je l'ai pris pour une méditation d'ancrage parce que justement j'ai commencé par celui-ci parce que j'ai été attirée par le prune un petit peu très rosé, très, enfin je suis une fifille hein. et du coup ça m'a permis de me recentrer. Celui-ci le lendemain en fait, et à chaque fois en fait je testais celui-ci et l'autre après, et celui-ci en fait à chaque fois je me suis sentie efficace, mais alors je me suis sentie centrée. Même il y a des journées où je prenais vachement de retard sur des choses et tout, et tac 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 tac, et il m'a fait prendre une vidéo d'avance. Voilà, c'est pour... Ça faisait des semaines et des mois que j'avais plus de vidéo d'avance. Il m'a fait prendre une vidéo d'avance, il m'a fait me restabiliser, il m'a fait me réancrer vraiment, voilà, dans l'ici et le maintenant en fait. Et j'avais tendance à être un peu perchée en ce moment, et celui-ci vraiment il m'a vachement aidé, et encore une fois idéal pour les massages énergétiques, pour le reiki, etc. Franchement, j'ai activé, on va dire, mes chakras du bas. J'ai pas fait le chakra racine, évidemment. Mais j'ai réactivé mon chakra... Oh, j'ai perdu le mot. Mon chakra sacré, je crois que c'est ça. Enfin bref, celui qui est près du nombril. En posant simplement ça près du nombril et en visualisant tous mes chakras. Alors bien sûr, celui-ci au niveau du cœur. Et puis le troisième, je l'ai surtout utilisé, alors du coup je l'ai fait avant ma routine shampoing, hein, donc je l'ai mis là, je l'ai mis au troisième œil, enfin chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, ça m'a vachement aidé aussi, j'ai fait une sorte de méditation purificatrice, on va dire, et du coup celui-ci m'a vraiment aidé au niveau de l'ancrage, et franchement sur les trois, il n'y a que celui-ci que j'utiliserai pas forcément tout le temps. Par contre, les deux autres, je vais les utiliser, c'est d'une manière certaine. Voilà. Et le dernier, c'est mon préféré. Voilà. C'est... comment vous dire? Quand j'en aurai plus, je suis sûre d'en recommander, en fait. Hein, parce que c'est une vraie découverte, en fait. Hein, c'est la purification.
la purification. Celui-ci, il y a eu, dans ma vie personnelle, hein, parfois on se sent dépassé, on se sent attaqué, on se sent perturbé, on se sent... Et quand je l'ai mis, c'était une période comme ça, en fait, une journée comme ça, c'est pas une période, c'est une journée comme ça où je me sentais attaquée de toutes parts, où je me sentais persécutée, vous voyez, Calimero, hein. Je l'ai mis, et d'habitude je les testais, je les mettais le matin, vous voyez, et puis là je l'ai mis le soir, après ma douche, et du coup je me suis dit, bah vas-y, tu vas tester et tu verras bien. Déjà j'ai super bien dormi, déjà, alors que c'est compliqué pour moi le sommeil en ce moment. J'ai très très bien dormi et je me suis sent... déjà j'ai fait des rêves aussi très... ça faisait longtemps que j'avais pas été connectée comme ça, en fait ça faisait très longtemps que j'avais pas été connectée comme ça. Je voulais pas montrer, il est vert plus tendre, presque beige, il a une odeur d'ailleurs, c'est celui qui est le plus creusé en fait, voilà, celui-ci il a une odeur beaucoup plus boisé en fait. Je sais pas, peut-être qu'il y a du Palo Santo, je sais pas trop. Mais sur le Ulule de cette marque, donc Aram Essence, vous allez avoir la composition en fait, et pourquoi, etc. Et ça, ça m'a permis vraiment de trouver, de me purifier et de trouver une paix intérieure en fait. Quand je l'ai mis, c'était une journée où je me sentais... Et pour tout vous dire en fait, pour tout vous raconter, je l'ai mis hier soir parce qu'aujourd'hui je tourne, nous sommes jeudi, pour que vous puissiez avoir le tirage donc de vendredi. Je suis habillée de la même façon et du coup je fais les vidéos tout d'un bloc. Et hier j'ai passé une journée, comment vous dire, de merdouille. Ouais, on peut dire ça en fait. Hein. C'est-à-dire que ça, ma journée a commencé... par des problèmes en fait de communication. Voilà, par des problèmes de communication. Enfin, mon téléphone, en plus j'avais une consultation, et l'après-midi, et je me suis dit mon Dieu, machin, nanana, et puis j'avais mal fait mon emploi du temps, et mon téléphone portable déconnait, enfin, tout un truc, mais en fait c'était le réseau en fait. Et du coup ça m'a enquiquiné, mais je me suis dit bon, c'est pas grave, voilà. Je passe outre, founé, c'est pas grave. Hein. Et puis, un livreur arrive, et au lieu de mettre le colis dans ma boîte aux lettres, il le met, parce que j'ai une maison de ville, donc avec deux fenêtres qui donnent sur le trottoir, et il le met sur le rebord de ma fenêtre et il ferme le volet, alors que j'étais dedans. Le gars n'a même pas sonné, en fait. Hein. Il n'a même pas pris la peine de sonner. Il s'est dit, vas-y, j'ai pas de temps à perdre, il n'y a pas de contre-signature, clac, bam, et voilà. Sauf que moi, mon volet, il ferme pas comme ça, en fait. Hein. Puis c'est pas sûr, et puis mon volet n'est pas une boîte aux lettres. Donc j'étais très énervée. J'appelle, je mets déjà du temps à trouver le numéro de la société. Je les appelle, le gars me dit, oui, on va faire remonter l'information. En gros, pisse dans un violon cocotte, ça fera la même chose. Hein. Donc j'étais un peu vénère, et je me suis dit, il faut pas que ma fille, elle me saoule. Parce que je sais qu'elle va rentrer dans pas longtemps, et là, il va falloir qu'elle me prenne la tête, parce que ma fille, en fait, elle a pris l'habitude de se mettre devant la porte, de toquer, parce qu'on a une... sur la porte d'entrée, en fait, vous savez, on a comme dans les châteaux, là, le clac, 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 un anneau avec... ça fait un boucan d'enfer dans la baraque. Donc, elle a pris l'habitude de faire ça. Sauf que la porte était ouverte. Et que la porte, elle est tout le temps ouverte maintenant. Au début, je la fermais, parce que j'avais un peu peur que mon fils sorte. Mais en fait, il sort pas, donc je la laisse ouverte au moment où je sais qu'ils vont arriver. Et en fait, donc j'étais en train de travailler sur un tirage à l'année. Donc en fait, d'abord, je les écris en fait, pour travailler, le thème numérologique, etc. Et là, j'entends clac, clac, clac à la porte. Et je me dis que c'est ma fille. Du coup, je lui dis « Entre !» Je crie « Entre !» Pas de réponse, pas de bruit. Et là, je m'énerve, je commence à partir en cacahuète. « Mais tu vas entrer, oui ! Mais ça commence à bien faire !» Je l'engueule comme du poisson pourri en ouvrant la porte et c'était un autre livreur. Voilà. Zen attitude. Hein, voilà, on me dit toujours « Founé, mais oh là là, tu parais tellement zen, mais vivez avec moi !» Et c'est pas toujours la rigolade, hein.
Et du coup, là, je vois la tête du livreur, il était comme ça. Et du coup, je dis, excusez-moi, je pensais que c'était ma fille. Il me dit, je suis pas votre fille. Et en fait, il venait me livrer ma hotte. Donc, je lui dis, bah, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Enfin, voilà, je m'excuse platement. Et là, on a l'air con dans ces cas-là. Et vous savez, les nerfs montent, puis ça fait redescendre un peu, mais quand même, voilà, c'est là. J'ai juste le temps de rentrer, d'ouvrir le carton pour voir si la hotte ça va, machin. Ma fille arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, la même chose. Du coup, la meuf là en train de péter un câble sur la bonne personne. Et puis, je pète un câble sur elle. Et là, un autre livreur qui arrive, ouais, je sais. Mais en même temps, il me livrait les cadeaux de Noël que j'ai commandés. Donc, voilà. Et du coup, j'ouvre la porte. Et il était encore tout stressé lui aussi, bonjour madame, colis, il venait d'entendre gueuler sur ma fille, donc forcément voilà. Et donc moi ouais, j'étais un peu au taquet, et l'après-midi j'avais rendez-vous, donc avec une consultante qui m'a détendue, parce que je l'aime beaucoup, voilà. Et du coup après j'avais rendez-vous pour mon fils chez le pédopsychiatre. Et il parle comme Jean de La Fontaine. Et il avait une heure de retard. Comment vous dire? Que là, en fait, c'est, vous savez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais genre le vase il dégueule après, en fait. Hein. Et là, quand je suis arrivée dans le bureau, une heure dans la salle d'attente avec mon fils et son Woody qui parle anglais, comment vous dire? Le médecin me dit, ben ça ne va pas, madame Chenot? J'ai dit, si tout va bien. vous n'avez rien à dire? Non, j'ai pas grand chose à dire, là, je suis un peu fatiguée là. Du coup, il a bien compris, hein, ça a duré un quart d'heure. Voilà, voilà. Et remarquez, les gens derrière moi, au moins, n'ont pas trop attendu. Voilà, j'ai fait tampon. Hein. Et il me dit, mais pour, enfin, du coup, qu'est-ce que. Voilà, aujourd'hui, on avait prévu quoi? J'ai juste l'ordonnance, en fait. Et puis au revoir, en fait. Hein, voilà. Non, parce que là, il fait nuit, j'ai envie de rentrer, je suis fatiguée. Stop. Voilà, voilà, faut pas trop m'enquiquiner. Des fois, je sais être aussi, je suis très gentille, hein, mais je sais aussi être un peu, voilà. Et là, c'était le cas. Et quand je suis rentrée, et eh ben j'ai mis ça. En fait, après ma douche, je me suis dit, non, mais là, tu peux pas, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible, quoi. Tu vas péter un pont, quoi. Et comment j'ai trop bien dormi. Et vraiment, ça me l'a refait. Déjà la première fois, j'avais passé aussi une journée en kikinante, hein. Mais là, ça me l'a refait. J'ai trop bien dormi cette nuit. Je me suis réveillée de bonne humeur, alors que jusqu'à la dernière minute de la journée d'hier, même après avoir mis, ça met un temps quand même pour agir, hein, j'étais déjà calmée. Mais vous savez, c'est tellement monté dans la journée que voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'avais 1000 choses à faire. Et ben, je suis à la dernière chose que j'avais à faire, et j'en ai remis dans la journée. Et en fait, ça m'a permis d'enlever toute la négativité, en fait. Et donc, encore une fois, je le conseille pour les praticiens Reiki, pour ceux qui font du massage énergétique, peu importe, en fait. Hein, mais vraiment, je vous le conseille parce que c'est super. Je vous ai dit le Ulule, je le mettrai là. Et je le mettrai aussi en barre d'information. Mais je vous conseille d'aller en barre d'information, comme ça, vous pouvez juste cliquer, en fait. Hein. Et il y a déjà 20 commandes sur 100. Voilà, et c'est une marque bio, c'est une marque faite par une de mes abonnées, c'est une marque éthique, voilà, c'est, alors, j'ai du mal à ouvrir, c'est une marque avec des produits naturels, puisque c'est bio, évidemment, c'est une démarche qui est éminemment bienveillante, en fait, hein, éminemment bienveillante, et rien que pour ça, ça mérite, voilà. J'ai aussi une dernière chose à vous montrer, c'est la bougie ouverture de cœur. Alors, je ne sais pas si elle fait la bougie. Alors, il y a des pétales, etc. C'est très joli. Bon, moi, j'ai déjà entamé. Hein. Elle est bien entamée parce qu'en fait, depuis que je l'ai reçue, je l'utilise pour tous les tirages. Et mes consultations et les tirages. Donc là, ça fait bien 2 semaines et elle est bien creusée. Mais elle sent très, très bon. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les bougies. J'en ai une là. Avec les bougies de ce style-là. Alors celle-ci, encore l'odeur, je la supporte. Je sais plus c'est quoi. Mais c'est hyper chimique, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec les odeurs chimiques. Ça me fait tousser. Là, c'est autre chose. Hein. C'est parce que je suis en train de m'enrhumer. Ça me fait tousser. Ça me fait... Enfin, ça me pique, en fait. Ça pique. Et ça, j'ai aucun problème.
Voilà, c'est comme les bougies Serenity, ben voilà, c'est pareil. Là, j'ai aucun problème. Et là, c'est une toute petite marque, c'est une toute jeune marque. Et en plus, rien que le fait qu'elle utilise des produits naturels, qu'elle mette la nature un petit peu au premier plan. Alors, je vous ai mis, hein, les flacons n'auront pas un truc en métal comme ça, mais plutôt un bouchon en bois. Et rien que parce que c'est une toute jeune marque, et rien que parce qu'il y a de la bonne volonté, et rien que parce que c'est un petit peu... Ah, c'est artisanal, en fait, hein, c'est artisanal. Moi, je pense que ça mérite le soutien. Alors, un pot, il me semble que c'est 39 euros. Je ne sais plus. Mais, alors, vous allez me dire, c'est vrai, ça paraît hyper cher, en fait, quand on le dit comme ça. Mais, en fait... Avec un pot, ça nous dure, parce qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de s'en étaler. En tout cas, moi, j'ai pas besoin de m'en étaler sur tout le corps, d'accord? Je vais mettre surtout sur les points stratégiques, d'accord? Ça dure une vie, en fait, hein, enfin, une vie, j'exagère, mais ça dure longtemps. C'est à base d'huile, hein, parce que je sais pas si vous allez voir, mais dans celui-là, on voit, en fait, que c'est liquide. Un petit peu, c'est en train de se liquéfier, mais voilà, c'est comme les gens qui ont un peu l'habitude de l'huile de coco, du beurre de karité, c'est un peu ça en fait, hein, ça se liquéfie un petit peu, voilà. Moi, si vous avez envie de tester, ça sent bon, ça pénètre bien, l'odeur elle est pas entêtante, ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez envie de tester, allez faire un tour sur le Ulule, et si vous n'avez pas envie de tester, au moins allez faire un tour sur le Ulule, peut-être que ça peut. En plus, ça va être les périodes de Noël. Si vous avez envie de faire un cadeau, etc. Même sans acheter les baumes, vous pouvez vous procurer une bougie ou des choses comme ça. C'est quelque chose d'artisanal et c'est quelque chose de naturel. Et donc voilà. Et puis, c'est fait par une jolie personne. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très fort. Je pense que ma vidéo n'est pas trop mal. Tu me diras ça, hein. Et puis j'espère que ton projet va aboutir. J'espère que tu vas réussir à mettre en place cette entreprise et ce projet-là, parce que des baumes énergétiques, fallait y penser. Parce que tu as une jolie intention que tu as mise dedans et parce que ça fonctionne. Voilà. Donc à travers ma petite histoire d'une journée de caca boudin. Eh bien, je pense avoir illustré que ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, je suis, ma foi, de très bonne humeur. Voilà, je vous embrasse très fort, toutes et tous, et donc on se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Salut !